C'est Wayne Night System tous les soirs à 17h30. Le lien entre les supporters, le club et vous fonctionne tous les soirs à 17h30 avec un invité de marque ce soir puisque nous recevons le président Aulas. Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Bart, bonsoir à tous. Président, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir comment vous organisez vos journées, puisqu'on le sait, vous avez un agenda très chargé, vous voyagez beaucoup, vous bougez beaucoup. Là, se retrouver entre quatre murs ou presque, est-ce que c'est un enfer? Bon, c'est un enfer, mais il faut savoir s'adapter à toutes les hypothèses. Bon, évidemment, je n'étais pas programmé pour rester dans un appartement à Lyon pendant aussi longtemps. Mais ceci étant, comme tu l'évoquais, les sujets sont nombreux. Il y a beaucoup d'anxiété aussi auprès de tous les salariés, que ce soit de l'Olympique Lyonnais ou d'autres entreprises pour lesquelles je travaille. Donc voilà, donc il faut s'adapter. Et en tout cas, on travaille à la limite encore plus que quand on se déplace. Alors, le vif du sujet, j'allais dire, c'est un petit peu la reprise du championnat. Comment on reprend? Est-ce qu'on reprend? On en est où? Parce qu'il y a quelques jours, on pensait que le championnat, ou en tout cas les places qualificatives pour la Coupe d'Europe, allaient être liées au coefficient de l'UEFA. Depuis 48 heures ou 24 heures, on entend parler on fige le championnat à la 27e ou à la 28e journée. C'est un peu compliqué tout ça. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Président? Bon, alors en fait, c'est de toute façon compliqué parce qu'il y a des antagonismes. Évidemment, ceux qui sont dans les places actuellement qualifiables ou qui sont en bas du classement et qui ne voudraient pas descendre, eh bien, toutes ces positions sont différemment interprétées. On va dire qu'il y a eu, depuis le début, l'hypothèse que le classement serait arrêté. Au moment où le championnat s'arrêterait. Donc là, on est arrêté à la 28e journée. La 27e est la dernière pour laquelle il y a eu des matchs, on va dire, aller-retour, puisqu'il y a le match PSG, non, Strasbourg-PSG, qui lui est en retard. Donc voilà, donc il y a eu plein de tentations de trouver des solutions. Il y avait aussi une solution juridique qui pouvait être proposée, qui était la fameuse saison blanche. Elle n'a pas été retenue. Pour des raisons évidentes, c'est qu'elle est peut-être moins proche du classement sportif de l'année, et ça, je pense que tous les gens peuvent comprendre. Donc aujourd'hui, où en est-on? Nous avions un bureau de la Ligue ce matin qui confirmait eh bien, que nous allions reprendre normalement le 11 mai, oui, le 11 mai exactement, au moment du déconfinement. Et ce qu'il faut, c'est avoir les dates exactes que le gouvernement va proposer pour le déconfinement. Et dans cette perspective, si le déconfinement a bien lieu à partir du 11 mai, on peut imaginer que le championnat reprendrait pour ses 10 dernières journées, 11 avec le match en retard, à partir du 15 juin probablement, étant entendu que la règle serait que tout soit terminé pour le 3 août, puisqu'à cette époque-là, l'UEFA, va finir aussi ses, campagnes de Champions League. Du 3 août au 29 août. Et donc, voilà, ça c'est le scénario idéal sur lequel on travaille aujourd'hui. Est-ce que vous êtes président confiant ou est-ce que vous avancez en marchant sur des œufs? On ne peut pas être confiant parce qu'il s'agit d'un sujet extrêmement important, on va dire, de santé au départ. Et je crois qu'il faut bien que tout le monde comprenne qu'on essaye de faire en sorte que la santé passe avant toute chose. La santé des joueurs, la santé évidemment des staffs, la santé de tous ceux qui vont participer à ces matchs, probablement à huis clos au moins pour le début. Et donc il y a le respect aussi des supporters. Est-ce que c'est bien de jouer à huis clos ou pas à huis clos par rapport aux supporters? Il faut se dire aussi que à partir du moment où la télévision qui rentre en ligne de compte va retransmettre ces matchs, même s'ils sont à huis clos, mais on peut considérer effectivement que indirectement les supporters peuvent y participer aussi et que le foot fait partie de la vie qui doit reprendre. Donc voilà, donc c'est un ensemble de paramètres qui font qu'aujourd'hui, on est sur une hypothèse qui va être confirmée le 27 ou le 28 avril par le Premier ministre sur les hypothèses de déconfinement. Et après, on va dérouler les scénarios qui pourraient permettre de démarrer vers le 15 juin. Jean-Michel Aulas, c'est l'invité d'ON Night System spécial. Le numéro de téléphone, vous le connaissez par cœur maintenant, 04
84, 80, 69 de fois. Vous avez donc la possibilité de lui poser des questions. Et Julien vient nous rejoindre parce que justement, Président, il a une question à vous poser. Bonsoir Julien, sois le bienvenu. Salut Bart, bonjour Président. Salut Très Julien. très content de vous avoir en ligne. Salut Bart. Je suis très très fier et très honoré de pouvoir parler au Président. Bon, toi Bart, je sais souvent, mais le Président, ça sera la première fois. Je vous remercie pour tout ce que vous faites à Lyon. Allô, on On m'entend? écoute ta question. On t'entend très bien, Julien. On écoute ta question. Alors, Président, je vais vous poser une question. Alors, je ne sais pas, le coronavirus, ça va peut-être. Voilà. J'aimerais parler de Memphis, de Memphis un petit peu. Je sais que c'est compliqué de parler peut-être de ça avec le coronavirus, mais est-ce que c'est vraiment au point mort pour sa prolongation? Est-ce qu'il y a des avancées positives? C'est plutôt, on attend le déconfinement pour parler de prolongation ou pas. Et moi, personnellement, je trouve que l'équipe manque un petit peu de caractère et de leader. Est-ce que vous allez retenter un coup à la Memphis, à la Anderson, à la Thiago, aller chercher des joueurs pour moi, d'une autre trempe avec une expérience internationale et une expérience des grands clubs? Alors, il y a deux questions en une, si tu le permets, Julien. D'abord, tu as une interrogation quant à la proposition de prolongation de contrat. Et la deuxième, c'est de savoir si d'autres joueurs de grande envergure avec une grosse notoriété pourraient arriver à l'Olympique lyonnais. Est-ce que j'ai bien résumé? Voilà, ouais, parce que je pense que l'Olympique Lyonnais s'est projeté sur des jeunes à fort potentiel depuis quelques temps. Ça marche plus ou moins. Ça marche économiquement, mais sportivement un peu moins. Je voudrais savoir si ils vont peut-être se pencher au club sur peut-être des joueurs un petit peu comme Memphis de caractère, des joueurs qui peuvent prendre les jeunes et les emmener plus haut. Très bien, Julien. Merci mille fois pour ta question. Alors, on va la découper, la question. Est-ce que Memphis, on est au point mort quant à la suite des événements? Où en est-on, Président? Non, mais en fait, on y travaille pratiquement tous les jours. J'ai beaucoup d'échanges personnellement avec Memphis directement. Rudy a aussi beaucoup d'échanges avec lui, pas quotidiennement, mais régulièrement. Juni aussi, puisque ce sont les acteurs qui permettront, je l'espère, de rentrer dans une phase concrète de prolongation. Deuxième point, nous lui avons fait un certain nombre de propositions. Pour le moment, elles n'ont pas retenu sa décision, bah, d'une part parce que il attendait de pouvoir reprendre le jeu, deux, il avait imaginé pouvoir rejouer les finales des compétitions européennes avec les Pays-Bas. Bon, il y a eu cette blessure, il a été récupéré un petit peu plus vite que d'autres a priori, mais ceci étant, pour le moment, on n'est pas tombé d'accord sur une proposition de renouvellement, mais il n'y a pas de rupture, c'est-à-dire qu'on continue de discuter d'un côté avec ses agents, moi directement avec lui, et je pense que dès que nous aurons la possibilité de le rencontrer donc au retour du confinement, eh bien on fera tout pour essayer, comme je l'ai évoqué dans un certain nombre de tweets, pour évoquer une prolongation. En tout cas, toutes les instances décisionnaires de l'Olympique lyonnais, Juni, Rudy et moi-même, sont très favorables, évidemment, à le prolonger. Pour prolonger justement la question de Julien, il avait eu une autre interrogation. Est-ce que dans les tuyaux, il y a des joueurs d'envergure avec un gros caractère pour reprendre les termes de Julien? Bon, ben ça, c'est le ressort du ressort de Juni qui va définir avec les instances de décision de l'Olympique lyonnais le cadre de recrutement pour les années qui viennent. Pour le moment, on en est à gérer évidemment la fin de saison. On sait qui peut partir, qui arrive en fin de contrat. Et puis, on a bâti un certain nombre de réflexions qui vont permettre de relancer la mécanique. Et je dirais que c'est l'année 1 du plan Juninho. L'année dernière, on était parti sur une solution qui était en cours, puisque le recrutement n'avait pas été fait par lui totalement. Il a commencé dans l'année 2019-2020 à prendre ses marques. Et là, on va partir maintenant sur un plan de plusieurs années et qui va nécessiter, connaissant Juni, effectivement, le recrutement de joueurs qui peuvent avoir encore plus de caractère que ce que nous avons. On va continuer de parler mercato entre guillemets. Il y a beaucoup de dossiers, Guerri, Aouar, Toko Ekambi. Est-ce que là aussi vous pouvez un peu nous éclairer, Président?
Oui, alors Toko bon, fait l'unanimité au sein de l'Olympique Lyonnais. Il y avait des conditions un peu particulières de levée d'options automatiques. Il fallait que nous soyons européens. Pour le moment, nous ne le sommes pas. Donc, on a demandé d'avoir un report de décision qui est lié à la fin du championnat pour avoir les certitudes. Mais ceci étant, nous avons tous envie de le garder. Lui-même souhaite absolument rester. Donc, je pense en tout cas que si rien ne s'oppose à cette orientation, nous allons confirmer évidemment cette disposition. Concernant Amine, c'est un enfant de l'académie, c'est un enfant de Agone. l'OL, voilà un gone qui a tous les talents. Il a eu malheureusement cette blessure qui l'a perturbé et retardé dans sa progression. C'est la raison pour laquelle peut-être il n'a pas joué autant qu'il le souhaiterait, évidemment. Et puis, entre-temps, l'équipe a continué de progresser. On voit que nous sommes d'ailleurs qualifiés toujours dans cette compétition de Champions League. Nous devons jouer la finale de la Coupe contre Paris. Et puis, il reste 10 matchs et 30 points à prendre. Ça permet de recoller au groupe de leaders. C'est notre ambition. Donc, à partir de là, ben, il faut que Amine se réintègre dans le groupe opérationnel. Et en tout cas, de la même manière que nous avons eu par le passé un Karim Benzema qui avait éclos extrêmement vite, le délai de reprise étant celui que l'on connaît pour Amine, moi je suis persuadé que l'année qui vient, il va pouvoir faire une très grande saison. Et en tout cas, notre volonté est évidemment de le garder. Voilà. Et concernant Aouar, et on aura fait le tour. Alors, évidemment, Oussem est l'un des plus grands talents de l'Olympique lyonnais. Comme je l'ai toujours dit, la décision des joueurs est toujours primordiale parce que garder un joueur contre sa volonté, ça n'est pas raisonnable et en tout cas, ça n'est pas ce qui permet d'exploiter au mieux les talents des joueurs. Donc Oussem, pour le moment, n'a pas manifesté le désir de partir. Donc dans nos plans, il fait partie des joueurs de talent que l'on va garder. Et puis aussi de l'équipe du futur. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, tout est arrêté, donc on n'a pas de contact direct. Mais ceci étant, notre volonté, à Juni et à moi-même, c'est évidemment d'essayer de garder Oussem, même si les sollicitations sont importantes. C'est intéressant ce que vous dites là, Président, justement, parce que vous évoquez un élément que les supporters ne maîtrisent pas toujours. Lorsqu'un joueur tape à votre porte et vous demande de partir, c'est très, très, très compliqué de garder les joueurs. Et souvent, c'est le club qui est responsable et on oublie de dire que les joueurs forcent la main pour s'en aller. C'est bien ce que vous dites là, je trouve, parce que ça, on n'en parle jamais. Oui, et puis c'est légitime, il faut se mettre à la place de nos joueurs et en particulier ceux que nous formons, qui sont souvent parmi les meilleurs de l'Hexagone et après européens, et avoir l'opportunité d'aller jouer à Madrid, d'aller jouer à Arsenal, d'aller jouer au Bayern, d'aller jouer à Chelsea ou dans des très grands clubs comme Manchester United. Ce sont des objectifs que, bien sûr, on peut ne pas apprécier à l'instant où on utilise au mieux ces joueurs, mais il faut se mettre aussi à la place des joueurs qui peuvent, au travers de ces opportunités, quelquefois, valoriser leur carrière de manière excellente et par là même donner à toute leur famille des solutions qui sont des solutions extrêmement valorisantes. Donc, on fait tout pour les garder, surtout quand ils sont de talent et surtout quand on les a évidemment formés à l'OL. Mais après, c'est la loi aussi du marché. Et moi, je fais toujours en sorte de donner aux joueurs qui souhaitent absolument partir la destination qu'il a choisie. C'est-à-dire que s'il y a compétition entre plusieurs clubs, eh bien, ce n'est pas obligatoirement le plus offrant qui sera choisi, mais certainement celui pour lequel le joueur a la plus grande appétence. Maintenant, ça ne veut pas dire du tout que Oussem va vouloir J'ai bien compris. partir. Et donc, voilà, pour le moment, on en est là. Et il n'y a pas de négociation, en tout cas aujourd'hui en cours, avec aucun des joueurs que l'on souhaite garder. On va rester, on va dire, dans le recrutement. Flo Maurice va donc rejoindre un autre club que l'Olympique lyonnais. Quel est le profil que nous recherchons, Président, pour l'Olympique lyonnais? Alors, tout d'abord, de manière à ce que les choses soient claires, pour le moment, il n'y a pas de décision de prise concernant Flo Maurice. Il a lui-même émis l'idée,
je l'ai évoqué le deuxième jour du confinement et il m'a appelé directement. J'étais d'ailleurs sur des calls avec tous les autres clubs, donc c'était un peu compliqué, très tendu, pour m'indiquer sa volonté de partir. Pour le moment, on a pris acte simplement du sujet. Il faudra par la suite qu'on vérifie que les conditions contractuel et la destination qu'il choisit correspondent évidemment à ce que l'on peut accepter et dans un cadre très précis. J'avais cru comprendre qu'il allait à Rennes et puis le président Nicolas Hulvec l'a démenti dans l'équipe. Donc j'avoue que je ne sais plus très bien exactement où on en est. En tout cas, si les choses se poursuivent de cette manière-là, on le verra le plus rapidement possible. On en discutera et on ira rechercher probablement, et là aussi c'est Juninho et Gérard Houllier qui définiront le profil, quelqu'un qui a été sûrement joueur de haut niveau, qui sera polyglotte parce que les marchés sont tous internationaux, et quelqu'un qui aura les réseaux qui nous permettent de discuter avec évidemment tous les agents. Après, un recruteur ou le responsable de l'activité recrutement qui va travailler avec Juninho devra être compatible 100% avec Juni pour qu'on soit efficace, évidemment, accessoirement avec Vincent Ponceau et moi-même, bien évidemment. Mais ceci étant, il faudra surtout qu'il gère une équipe qui probablement est une équipe de l'ordre d'une dizaine de personnes, entre ceux qui travaillent autour des jeunes qui peuvent rejoindre la Post Academy et puis les joueurs dont on aura besoin dans le futur. Donc il faut avoir aussi un esprit de management, un esprit de concertation, un esprit d'organisation des équipes et puis un esprit de reporting, parce que c'est important pour un club comme Lyon, d'avoir des structures qui soient, en cas d'évolution, extrêmement solides et qu'on n'ait pas perdu le travail d'années de suivi d'un certain nombre de joueurs. On va recevoir Quentin dans un instant au 04 84 80 69 deux fois. Je vais noircir un peu le tableau, Président. On imagine que, voilà, ça, que la mayonnaise tourne mal et qu'on n'ait pas de Coupe d'Europe l'année prochaine pour une et une raison. Est-ce que le club va changer de stratégie? Parce qu'on sait bien que sans Champions League notamment, évidemment, le chiffre d'affaires n'est pas le même. Oui, c'est une bonne question. On se l'est posé au conseil d'administration avant tout le monde. Et puis, gouverner, c'est prévoir. Donc, on se pose toutes les questions. Non, la réponse est claire. Si, par malheur, ce que je ne crois pas, nous n'avions pas la possibilité de jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine, nous allons continuer le plan. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est l'année 1 du plan Juninho, parce que l'année dernière, il a fallu qu'il intègre, il a fallu que nous lui expliquions un certain nombre de choses. Il a découvert aussi sur le plan des joueurs, sur le plan de l'organisation du football d'aujourd'hui en France, un certain nombre de choses. Et vraiment, je peux dire que Juninho correspond exactement à l'idée qu'on avait. Il a la mentalité, les connaissances. On l'a vu sur le dossier de Bruno Guimarães, il a été excellent, et sur d'autres aussi, même si ça n'est pas su. Donc, on a vraiment l'homme qui va permettre, sur les années qui viennent, de relancer l'Olympique de Lyon. Donc, je suis clair, si malheureusement nous n'étions pas dans les compétitions européennes l'année prochaine, eh bien, on en profiterait pour, au contraire, accélérer le pas et profiter d'une année où on ne joue pas tous les trois jours. Cette année, pourquoi nous ne sommes pas à l'instant T en position d'être en Coupe d'Europe, même si nous jouons encore le huitième de finale retour contre la Juventus, même si nous allons jouer la finale de la Coupe de la Ligue contre Paris? Eh bien, uniquement parce que on a joué tous les trois jours dans un contexte extrêmement contraignant de calendrier, où on ne nous a pas fait de cadeau, et du coup, où on a eu beaucoup de blessés. Et comme par hasard, on voit que Marseille, qui a fait une bonne saison cette année, qui n'avait pas joué de Coupe d'Europe l'année dernière, a pu se concentrer sur le championnat, a pu réussir un parcours avec un peu de réussite, pas trop de blessés, qui ont fait que, eh bien, il se retrouve en situation aujourd'hui d'être européen, sous réserve de respecter les règles, évidemment, du financial fair play. Donc non, on va continuer d'investir. On est sur les bases de la pyramide. Juninho, il a pris ses marques. Il a des moyens qui sont des moyens exceptionnels parce que le club est en bonne santé économique, et on le voit particulièrement en ce moment où les difficultés économiques assaillent un certain nombre de clubs. Le fait de ressortir encore plus fort
d'une période de crise va permettre à Juni eh bien, d'aller au bout de ses idées. Bon, c'était ce que j'avais imaginé l'année dernière en le faisant venir. C'est ce que nous avions imaginé au niveau du conseil d'administration. Et donc, on va pouvoir lui donner tous les paramètres pour que, même si nous n'étions pas qualifiés, mais je ne le crois pas, l'année prochaine, eh bien, on puisse au contraire aller titiller le PSG qui sera sûrement à nouveau en tête du championnat. Merci pour cet éclaircissement, Président. Quentin, bonsoir à toi, camarade. Bonsoir, Bart. Bonsoir, Président. Salut, Quentin. Sois le bienvenu. On t'écoute, Quentin. Alors moi, j'appelais pour parler de la baisse des salaires, en fait, parce qu'on a vu quand même pas mal de choses dans la presse. On a vu qu'il y avait une histoire de taupe, je ne sais pas quoi. Donc, je voulais savoir ce que le Président avait proposé aux joueurs et puis leur réaction. Merci pour ta question, Quentin. Pardon, c'est un sujet qui est évidemment difficile à aborder en public parce qu'on parle de choses qui sont très personnelles au niveau des joueurs, au niveau des joueuses. Disons qu'on a un régime qui est un régime traditionnel de toutes les entreprises déjà. Quand on ne joue pas, les joueurs sont au chômage partiel, ce qui veut dire que grosso modo, ils perçoivent on va dire un petit peu plus de 80% de leur salaire et le club, sous réserve d'un certain nombre de plafonnements, ne paye pas la totalité des charges sociales. J'ai simplifié, mais grosso modo, c'est ça. Donc, on s'est posé la question de savoir, et d'une part parce qu'un certain nombre de joueurs, un certain nombre d'entraîneurs nous ont sollicité pour aller au-delà de cette disposition, quelquefois pour des œuvres humanitaires, et puis aussi parce que le club n'ayant plus du tout de revenus depuis le 13 mars, eh bien, on se trouve dans l'obligation d'essayer de réduire de manière extrêmement précise notre train de vie. Donc, on a consulté les joueurs et joueuses, on leur a fait un certain nombre de propositions, je ne veux pas rentrer dans le détail, sachez que il y a beaucoup de la quasi-totalité des joueuses et des joueurs souhaitent aider le club, l'entreprise club. Il y en a qui veulent le faire de manière plus ou moins importante. On a essayé de définir des règles en fonction du salaire lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'on est parmi les plus élevés, parmi ceux qui sont indirectement dans la moyenne. Voilà, donc c'est en cours. Pour le moment, on n'a pas tranché. On est très proche d'un accord avec le groupe féminin et puis on va continuer de discuter avec le groupe masculin, en particulier la semaine prochaine. Il faut aussi compter que dès que les entraînements vont reprendre, donc en principe le 14 mai, eh bien ce dispositif de chômage partiel va s'arrêter et que le dispositif qu'on aurait mis en place avec le club va s'arrêter aussi. Donc il s'agit dans l'instant d'une période qui est extrêmement courte et qui pourrait éventuellement se prolonger si malheureusement on ne reprenait pas. Voilà Quentin, j'espère que tu es satisfait de la réponse. 04 84 80 69, deux fois c'est le numéro de téléphone. Jean-Michel Aulas est l'invité de cette émission encore pendant 7 à 8 minutes. J'ai eu une question via les réseaux sociaux, assez rigolote, que je m'en vais vous proposer dès maintenant, Président. C'est Jean-Marc, qui est supporter de Marseille, qui me dit « Si vous étiez président de l'OM, vous préconisez quoi pour la fin du championnat ?» Bon, c'est une question tout à fait normale que se posent évidemment tous les supporters de Marseille. Et je lui poserai la même question s'il était supporter de Lyon après avoir répondu. Et évidemment, on verra que les réponses peuvent ne pas être les mêmes. Mais Marseille, qui est deuxième du championnat aujourd'hui, souhaite évidemment qu'on en arrête le championnat sur ce classement-là. Ce n'est pas tout à fait les règles qui ont été retenues à la fédération, puisque le championnat amateur est lui retenu, et donc est lui arrêté, pardon. Et donc la règle qui a été retenue, c'est un coefficient, mais on espère qu'il va s'arrêter et que le classement à l'instant T va être pris comme tel. Après, il y a des règles qui sont opposables à tout le monde, et ça n'empêchera pas ceux qui s'estimeraient lésés de pouvoir faire des contestations ou des recours. Mais globalement, c'est une solution qui est acceptable parmi d'autres. Dans les autres, il y a le fait de finir le championnat. C'est ce que nous souhaitons, nous. On souhaite même que ce championnat soit fini avant de reprendre le championnat de l'année prochaine. Donc, grosso modo, avant la fin août, puisque le championnat 2021 débuterait fin août. Vous savez, l'UEFA a même imaginé, pour ceux qui ne pourraient pas terminer, qu'il y ait aussi, par exemple, des play-offs pour le bas et pour le haut.
Est-ce que c'est quelque chose que nous retiendrons? J'en sais rien. Pour le moment, on va essayer de jouer les 10 matchs qui nous restent. Et puis, on regardera à la fin le classement. Peut-être qu'il sera différent de celui d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, dans 33% des cas, le résultat à la 28e journée n'est pas celui à la 38e journée. Donc, ça veut dire que dans les Européens comme au niveau des relégables, il peut y avoir beaucoup de changements. 04 84 80 69 deux fois. Naka, bonsoir. Sois rapide, Naka, parce qu'on est presque en retard. Bienvenue à toi, Naka. Salut Bartouille, bonjour président. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire vite. Alors, déjà, juste un petit aparté, c'est régalade aujourd'hui, puisque, bon, meilleur animateur de l'histoire de l'OLTD et le meilleur président de toute l'histoire du foot français. Donc, ça va, on est bien C'est aujourd'hui. pas faux, c'est pas faux. C'est pas C'est faux, gentil en c'est tout même cas. vrai. Je On pense, je t'écoute, pense. Naka. Et donc, ma On t'écoute, question. Naka, Alors, merci. président, je voulais savoir, est-ce que, vu ce que le foot est devenu actuellement, vu que c'est beaucoup question d'argent pour être au plus haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous faire la promesse à nous, tous les amoureux de Lyon, tous les supporters de Lyon, que contrairement à Paris, Marseille, Bordeaux, Lille ou tous ceux qui sont dans le top du haut français, nous, on restera un club à majorité lyonnaise parce qu'on y tient beaucoup à cette identité et on en est fier et on a envie de la garder, quoi. Tu parles d'investisseurs étrangers qui pourraient arriver avec une grosse mallette, c'est ce que tu viens de dire? Exactement, exactement, c'est Ouais. ça. J'aimerais qu'on reste à majorité lyonnaise, français, et voilà. Très bien, merci beaucoup Naka pour ta question. Président, on vous écoute. Oui, c'est une excellente question. Bon, déjà, on a battu le record de durée pour un président, puisque j'attaque ou je vais attaquer la 33e année. À cette présidence. Bon, je me souviens de l'arrivée à l'OL. Nous étions dans le milieu du tableau de la seconde division. Depuis, on a conquis pas mal de titres, d'accessits, de participer à beaucoup de Coupes d'Europe, aussi bien pour les garçons que pour les filles. On arrive à une cinquantaine de titres. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. L'Olympique Lyonnais, seul club de l'UEFA à être qualifié dans les trois compétitions qui vont se terminer cette année. Champions League, garçons. Women Champions League pour les filles. Donc, nous sommes en huitième, match retour contre la Juventus. Pour les filles, quart finale contre le Bayern. Et nous sommes aussi qualifiés en quart finale de la Youth League. Il y a un seul club en Europe cette année qui est présent partout. J'avais hier l'UEFA au bout du fil et il me félicitait. Je n'avais pas fait la remarque. Je savais que nous étions qualifiés, mais je pensais qu'il y en avait beaucoup d'autres. Non, il n'y en a qu'un. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, le club, avec toutes ses qualités, ses imperfections, il respire lyonnais, il respire français, il respire en termes d'investissement tout ce qui a été cohérent depuis une trentaine d'années. Et donc, oui, on essaye de faire en sorte maintenant. Il y a quelquefois des mouvements chez les uns et chez les autres qui considèrent que d'autres pourraient faire mieux, mais sous réserve que cela n'exprime pas des avis contraires à ceux que j'essaye d'inspirer depuis 33 ans. Oui, je souhaite non seulement rester le plus longtemps possible et aller vers ce que nous souhaitons être indispensable, c'est-à-dire gagner cette Coupe d'Europe avec les garçons aussi, et puis faire en sorte que eh bien, la suite puisse s'inspirer de ce que nous avons fait pendant 33 ans, donc avec des investisseurs locaux, français, et qui comprennent bien quelle est la mentalité et le souhait des supporters. Allez, on va terminer cette émission, président, avec une petite interview confinement. On va faire un petit ping-pong, mais juste avant, j'avais donné ma parole hier. On avait Mohamed Bouafsi, qui était l'invité de Night System spécial, et je lui ai dit, tiens, Mohamed, est-ce que tu aurais une question à poser au président? Et puis je lui poserai demain. Il m'avait dit, tu lui diras qu'il m'avait promis un repas à Paris et que j'attends toujours parce que j'ai envie de partager avec lui une assiette et parler ballon. Donc voilà, je vous fais passer le message. C'est vrai, et je tiendrai évidemment, comme toujours, les engagements que j'ai pris. Très bien. Mais Allez, ce on qu'il y n'a va. pas dit, c'est qu'on en avait déjà partagé un l'année dernière à Saint-Tropez. Donc Et voilà, qui a donc tu es en payé? retard. Tu es en Qui a retard. payé? Allez, on y va pour l'interview confinement. Qu'avez-vous appris sur vous, président, pendant ce confinement? Beaucoup d'humilité et aussi la perspicacité de savoir que plus rien ne sera après
comme avant. Donc les certitudes doivent devenir des engagements pour être plus solidaires, pour être plus proches des joueurs, des supporters et de tous les gens qui travaillent pour l'OL. Qu'allez-vous faire en premier après le confinement, Président ? Je pense que je vais retrouver ma famille, mes enfants qui sont confinés, mon enfant, mon fils, qui est confiné assez loin d'ici, et puis faire un bon repas au restaurant, parce que c'est vrai qu'un bon repas au restaurant en famille, c'est quelque chose de fantastique. Que voyez-vous de votre fenêtre depuis le confinement, Président ? Alors, je suis à la Cité internationale, beaucoup de gens le savent, donc je vois le parc qui est désert. Je vois aussi le ciel bleu et je suis toujours en train de m'interroger pour savoir pourquoi pendant cette période de confinement on a eu un temps aussi merveilleux. C'est fou. Comme on l'avait jamais vu. Alors est-ce la pollution qui a disparu? Est-ce aussi la compensation d'un certain nombre de stress sanitaire? Le beau temps est là. Donc voilà. Donc des arbres, quelques immeubles et puis Interpol qui est juste derrière. Que faisiez-vous, Président, que vous ne faisiez plus depuis le confinement ? Ben, j'ai regardé un peu plus la télé, en dehors des matchs, puisqu'il n'y en a pas. Donc, voilà. Et puis j'ai lu, évidemment, parce que ça permet de revenir à des choses qui sont beaucoup plus matérielles, comme la lecture. Pour terminer, avez-vous pris des nouvelles ou eu des nouvelles de personnes que vous n'aviez pas vues ou pas vues depuis longtemps ? Alors oui, malheureusement, parce que cette pandémie, bien sûr, s'attaque à des gens qui sont soit plus de ma génération, que je n'avais pas vu depuis beaucoup plus de temps. Donc, il a fallu évidemment rencontrer pas mal de difficultés avec ces choses-là. Et puis, on s'est rappelé, surtout par rapport à un certain nombre d'amis, un certain nombre de souvenirs, parce qu'on avait le temps de le faire alors qu'on ne l'aurait pas fait si la vie active était restée celle que je connais. Merci beaucoup, Président, d'avoir été notre invité, d'avoir répondu aux questions des téléspectateurs et supporters d'OLTV. Merci infiniment. On va se retrouver en ce qui nous concerne avec Hervé Matou. Hervé Matou sera notre invité lundi soir à partir de 17h30 pour lui poser des questions. Le même concept, le numéro de téléphone est inscrit en bas de votre écran. Merci encore, Président. Bon après-midi à vous. À bientôt, Président. Je sais que vos après-midi, vos journées sont très chargées, même si vous êtes confiné. Rencard donc lundi soir avec Hervé Matou et surtout, n'oubliez jamais, amis supporters, l'Olympique Lyonnais, une formidable raison d'être heureux, les gones. Formidable !